Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Boza, le bienvenu à GECAM Télévision, fidèles abonnés, chers téléspectateurs. Merci na confiance au Bopé Sarabiso Poto Melabino Basango. Yamaenyon so elekakanakati ya République démocratique du Congo pe na Nzinga Nzinga. Merci Nabino pour la confiance au Bozo Pé Sabiso, pe les sous à travers émission Oyo Debout Congolais. Na lobakaso qui est mission et bandit. Tombola bendele, bendele, zala toujours l'ikolo, c'est-à-dire mission na biso, et bandi, vrai Congolais, vrai compatriote na mission, à se découvrir à travers sens élevé, ya patriotisme. Merci mingi na papa, apôtre Gérard Kabea Pesaka biso, opportunité à présenter mission Oyona étant de GECAM Télévision. Merci Penabino, Balandi, Bozo, Benga, Bisso, de partout. Boza vraiment accroché na émission Oyo. Boza la Libanda, Boza la Nakati, ya République démocratique du Congo. Vraiment, Bisso Nyonso, Toza ensemble à travers émission Oyo. Debout Congolais, Oza Libanda, Oza li connecté na mère patrie, Oza Nakati, Oza connecté na mère patrie à travers cette émission, bien sûr. Debout Congolais, et au même moment, nous avons une pensée pieuse. Tous allés na kati ya méditation pour na ba o nyonso basili ko kufa na guerre o eza imposé na biso na communauté internationale. Pour tous ces Congolais là qui sont morts lâchement assassinés dans une aventure pour nous minérer, vraiment tous allés na méditation, c'est un génocide. Il faut que le gouvernement de la RDC finisse par prendre vraiment les devants pour choisir la manière Oyo commémoration en Ekoko Salema, quels sont bah endroits historiques appropriés Oyo. Il faut chaque fois que bisona bana bisoto ebaka ndenge nini toko que se souvenaka na ba événement Oyo. Merci à vous d'avoir choisi cette chaîne na lobaka toujours na début à émission Oyo ke samba olonga mutu azalaka na micro Oyo pour na représenter bino émission. Paix dans le bagalisusu été justice yanzambe moto mon côté a échappaka na contrôle nango soki ou échappé na justice ya mokili soki oza ganki ou lobingai ba monaka ngai te ou bien yo oza tout puissant nazana mbongo mingi ngai na kolakisa yo na kosukisa yo yebaki tout ce que nous faisons est comptabilisé tôt ou tard nous finissons par payer les prix de nos actes. Voilà pourquoi na sala kambela oyo na chaque émission pona kolobana bino ete singeli to sala kaka malamu po ete nyonso to sala ka na balance za la raconter. Vous allez trop pencher contre le bien vers le bien ou bien vous allez trop pencher vers le mal. Voilà, je vous dis merci d'avoir choisi cette chaîne d'excellence. Gouvernement, il y a République démocratique du Congo et Outibongo ko saisir Monisco pour na ko exiger départ y a porte-parole na bango. C'est-à-dire que le vice-ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, dans une correspondance adressée à la Monisco ce mercredi 3 août 2022, a signé que il faut ba expulser Mathias Julman, Oazali porte-parole, il y a mission des organisations des Nations Unies pour la stabilité au Congo. Pour naba propos naye, il y a Mabe Athena qui est à la base, il y a Kanda, il y a ba Congolais, Nyonso. La tension ne cesse que d'augmenter. Tension Ezali ou Matatango Nyonso. Tension Ezali Kokende. Tozali Kokende na Utepe Kolobana mission Utepe que le chef de l'État a demandé qu'on puisse revoir délai Oyo Bayokanaki na ONU pour na départ ya MONUSCO ba revoir ango pour na ko se conformer na demande ya population. Mais avec ce qui se passe tension ezana kati ya komata, quelles sont les décisions à prendre,
quelles sont les limites batwaza ko mituna mais po onyango akende lelo penda lelo eza ko senga mimi mituna toza ko mituna bianuza na kati ya émission oyo toujours na cadre émission oyo Patrick Muya ya toko kapé oyezali ba propos na ye alobi que gouvernement ya RDC aza l'écoute ya population na ye ayebi que gouvernement depuis eza mise en place population azo cesser te ko senga de part ya MONUSCO en tout cas la voix, il y a gouvernement, il y a aussi, qu'est-ce qui va se passer? Plan Nini, Bazali Kobongisa, est-ce que c'est un piège? Ndenge Batumusu Bazali Kolobake, Kosenga, de part précipité, il y a MONUSCO, Ezali Koumema RDC, na KO. Y aura-t-il KO aujourd'hui si la MONUSCO décide de quitter les sols congolais? Mituna wana biyano, tokupe sakaka, nakati, il y a émission Oyo. HCR, bato ba yebi HCR tezali au commissariat des réfugiés. Ba lobi bango pe na tourna bango ke bazali incapable baza na ba moyen te pona ko pallier na ba besoin ya ba déplacer pe ba réfugiés na République démocratique du Congo. Donc il se demande ba organisation kilikili na Congo tina nango ezalaka nini. Si le HCR n'est pas à mesure au nom des Nations Unies, il y a qu'à prendre soin, il y a qu'à déplacer les réfugiés au bazar interne na Congo. Moussala ya Nations Unies, ils allaient nini na Congo, wana petoué ba kolobela yango. Nous recevons cette information selon laquelle le Rwanda vient d'interdire tout passager congolais, ba komi tracassé mingi parce qu'il faut tout reconnaître que il y a certains de nos frères qui traversent chaque jour la frontière RDC Rwanda bagenda ko sala ba faire bagenda kuna baza ko zonga le trafic est encore là en permanence trafic est en kati ko salema mais il y a une forme de tracasserie au gouvernement rwandais a outi ko instituer ya ko banda ko surtaxer biloko oyo ba congolais bazali ko mema ça dit soko zo kati na biloko nona ngambo Rwanda yebake ba matisse le kolo fausse ou vraie information. Tout au long, il y a émission au pétrolier, bah, que le Belango, bah, combat et reprenna qui entre FARDC na M23. Il a qui sait que Kagame, Azakoyo Kate, il a qui sait que les Congolais se sont fait piéger. Ça aussi, nous en parlerons. Et puis, la parenthèse de cette émission, ils allient belle œuvre au Togolobela. Il y a président Félix Tshisekedi, la RTNC, Radio Télévision Nationale Congolaise, ils allient vraiment doté d'un matériel moko sophistiqué nouvelle génération yango et remettre fin na ndenge bayimba même na banze mbalobi image ya RTNC ezalo ko la échographie de so moni image échographie ezala nango clarté image RTNC za bongo mais bazui matériel est-ce que ezali suffisant pour to mona vraiment RTNC asala musala na ye na ndenge elongo bani ba idée analyse décryptage tout au long il y a émission Oyo. Merci Nabino Ndenge Boponi Gcam Télévision. La seule façon pour vous d'appartenir na famille de Bou Congolais c'est de vous abonner à cette chaîne bien sûr. Cliquez sur la cloche de notification pour chaque fois que ben information ya samba olonga kolegaka oyebarate ko zangaka yango. Vous voulez soutenir cette émission de Bou Congolo Lingo Simba Bendele Otombolango toujours. Le numéro est en bas de votre écran. Merci de votre attention. Nake nambangu na actualité ndenge na uta ko aborder ngwa. C'est vrai, la tension ne fait qu'augmenter. Chaque fois que je parle de ces sujets, naza ko féliciter biso ba congolais mingi. Parce que na bandai ko lobango depuis longtemps ba to boyebi plateau oyo na bandai ko lobange mu pepoyo. Soge komi makasi mobilisation ba congolais yeba ke kozwa gain de cause. C'est vrai. Mobilisation nyonso ya peuple congolais izalaka très mal vu de la part ya ba frange ebele ya communauté internationale. Bazalaka na souci, bazala devant ba lâche, ba ignorant. Ndenge bango ba yebeli biso po basala ndenge bango balingi. Mais Fazo Yotokoti avec Félix Tshisekedi comme président de la République et même les biso ba enjeu yasika. Parmi les forces négatives ndenge na lobaki na précédente émission,
La MONUSCO aujourd'hui s'est aussi identifiée comme une force négative. C'est-à-dire, pour les Congolais, la conclusion est que tant que ça la chasse contre les ADF, les M23, les CODECO, j'en passe, la MONUSCO aussi fait partie de ces forces négatives qui contribuent à la pérennisation du mal sur les sols congolais. C'est-à-dire parmi ceux qui veulent que l'insécurité persiste en République démocratique du Congo, nous voyons aussi l'ONU. Et l'ONU, ce qu'il faut savoir, c'est que si toutes les forces négatives sont nuisibles, vraiment, celle des Nations Unies est la plus nuisible. Parce que Bango baza na capacité, il y a qu'à multiplier le mouvement rebelle, baza na capacité, il y a qu'à créer les biso mabe collega même au ba groupe mouvement rebelle autoyebi qui bazali très sanguinaire. Wana. Le président de la République, après la réunion de crise Union Suisse Salami, la décision de M. Zouama qui pour réévaluer la situation, l'équipe na vitesse supérieure. La vitesse supérieure est que le vice-ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a tindi Mukanda, correspondance adressée à la MONUSCO, que je vais lire tout à l'heure là pour vous. Pona kosenga na bango expulsion ya Mathias Juhlmann qui est le porte-parole des Nations Unies. À titre de rappel, Mathias Juhlmann yé asilaki bongo kulubaki l'ONU est incapable bango mission des Nations Unies a bazali incapable bazali équipé té pour ni les FARDC ni Bango bazali capable de faire face à M23. Ça fait partie des propos qui ont vraiment suscité la colère des Congolais. Vraiment, si certains pensent qu'il n'y a que les propos de Bahati qui ont fait déborder la vase, qui sont la goutte d'eau qui a fait déborder la vase, c'est que nous devons souligner ici à travers message à Christophe Lutundu les Ali que ba propos ya tata oyo porte-parole ya ONU ezala ki ba propos moko epesi kanda yango première mesure oyo gouvernement congolais zui c'est d'expulser d'abord celui qui a la base de la colère de la population muto oyo akeyi ko créer kanda ya makasi oyo il faut to tia ina nou libanda. Voilà les communiqués. Communiqué bozomona en face Nabino. Ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo présente ses compliments à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo et a l'honneur de porter à sa connaissance ce qui suit. Au regard de l'exacerbation regrettable actuelle des tensions entre la population civile et la MONUSCO, particulièrement au Nord Kivu, tension due notamment aux déclarations indélicates et inopportunes du porte-parole de la MONUSCO, M. Mathias Juhlmann. Le gouvernement de la République démocratique du Congo considère que la présence de ses fonctionnaires sur le territoire national n'est pas de nature à favoriser un climat de confiance mutuelle et de sérénité si indispensable entre les institutions congolaises et la MONUSCO en vue non seulement du meilleur accomplissement du mandat confié à cette dernière par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi de faire aboutir le plan de transition aux fins de son retrait définitif de la République démocratique du Congo d'ici à l'horizon 2024 comme convenu. Aussi, le gouvernement appréciera-t-il beaucoup que des dispositions soient prises pour que M. Mathias Juhlmann quitte le territoire congolais dans le plus bref délai. Il sera gré à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle, de bien vouloir accorder à la présente toute l'attention qu'elle requiert, ainsi que le bénéfice de l'urgence.
le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo saisit cette occasion pour renouveler à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo les assurances de sa considération très distinguée. Kinshasa, le 28 juillet 2022. Voilà, cette lettre date de là. Si Batindela Kiango, Bino Mokope Bozotangango, le Rolangai, Batindela Kiango, Nani, représentante des Nations Unies, mission des Nations Unies, Awa, na Congo. Et là, qui sait que nous n'avons plus besoin de ces messieurs-là. Des décisions comme ça se prennent, Kakaso Kibino Mokoba Congolais, Bolingiango. Et ça, ce n'est pas encore suffisant. L'État congolais est en train de voir par quelle manière il faut se débarrasser de la mission de l'ONU qui ailleurs ne peut plus être acceptée. Ils allaient les sous na mboka mokote na minitoyo animé de bon sens vu tout ce qui se passe à l'ONU, injustice moko oyo bakoki les sous la kisate, on ne peut plus clair. L'injustice des Nations Unies qui fait qu'il y a les grandes puissances qui bénéficient des décisions de la sécurité des Nations Unies, les restes du monde, au Buso Tozali, Tozali nde bangamba na bango, ba esclave na bango, pour Buso to subisaka, au Nyonso, bango bazali ko bwa ka lokola ba déchets à ba décision. Cette décision montre clairement l'état d'esprit du gouvernement congolais qui se penche aujourd'hui sur base ya au peuple à Sali. Na plateau na bete la grabe no société na zako yebisa bino ke s'asseoir chez toi ou vendre aux autres la kefeliti ce qu'il dit sera le seul tanga ko zwa ba décision parce que na yoka ki bande ko mo bazo ko melanga po feliti ce qu'il dit abengana oniskwa moniskwa ngazo zela kanini hein po ya bengana non. Il y a des choses qui ne peuvent être faites que par le souverain primaire. Le président de la République, en tant que président, a le devoir de réserve. Il est, peut être en danger face à ces grandes nations prédatrices. Les nations qui ont été nous, nous n'avons pas les droits face à ces nations-là. Logiquement, par là, quand on parle dans le contexte du droit, le Congo est un pays souverain, comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, j'en passe. Et tous les autres États africains. Mais dans la logique de la puissance, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, nous on disparaît, on ne nous voit pas. Et dans ce contexte, pour faire entendre votre voix, cela va de pair avec la maturité de tout un peuple. Nazali ko lobakango mikolo nyonso. Banda to banda kina bino to zolo ba makambo ba Rwanda, Kagame, tout ça, non. Le dossier Kagame, c'est un petit dossier que les Congolais doivent comprendre que derrière ce petit dossier, il y a un grand dossier qui est celui de l'injustice de la communauté internationale, qui est aussi celui du complot international contre les Congo. Mboka Oyo, ce qui biso to kovanda kana bana na biso to kanisi ke, ce qui le loba memelio fufu lié au tondi, c'est suffisant. Nous, il y aura un jour où on va déclarer le Congo patrimoine mondial. C'est-à-dire, ndenge bazo kende na aventure na bango ya ba mondialiste wana. Ndenge bazo kende na aventure na bango ya gouvernement du monde. Avec toutes les réalités qui s'avèrent possibles na aventure oyo, ceux qui se disent décidèrent veulent nous amener. Nous, si nous ne pensons pas qu'il est important pour nous de repenser l'éducation de nos enfants, de revoir nos mentalités, de nous armer mentalement, parce que l'arme la plus puissante, c'est ça, le mental. Et il n'existe pas d'arme capable de rendre à néant la volonté de tout un peuple. Ce qui est la volonté à les Congolais, c'est que tout énergie est à l'est de la République démocratique du Congo, pendant une semaine. Je l'ai dit toujours et je le répète, il n'y aura pas d'avions de chasse qui vont venir pour bombarder les Congolais. C'est un défi, ils finiront par céder. Partout, c'est comme ça. Le peuple est souverain. Mais ici, il se pose une question. Parce que dans toute chose,
et c'est encore à moi minimum y a sagesse pour y bandengini no kuki ko canaliser énergie na yo ou ezali positive. C'est vrai, le président de la République, le gouvernement sont dans des altercations bazali na katia ba manœuvre pour voir comment se débarrasser une fois pour toutes de cette mission onusienne qui est embêtante pour nous en tant que Congolais, qui devient une prise en otage du peuple congolais. Si koyo, na moment ya boye na sina yebisa yebino émission elekaki. Na moment ya boye ne ba président bazaka pris pour cible parce que ce sont pas des risques faciles. Ezali ba décision moko, ce sont des grands enjeux qui nécessitent l'éveil patriotique. Ezali ba enjeux moko ezako nécessité que ezala te que quand moko ezali à droite, quand moko ya gauche. Ndenge tozomona ngona ba langage divergent ya certains de nos compatriotes qui pensent que l'affaire de la MONUSCO est une affaire gouvernement na MONUSCO, qui pensent que le peuple congolais devait se taire pour ne pas interpeller la conscience internationale, qu'il devait s'attaquer à son gouvernement. Nous avons expliqué sur ces plateaux que c'est faux. C'est le peuple congolais qui est souverain, qui doit revendiquer à travers sa souveraineté l'échec de la mission des Nations Unies au Congo. Mais ce qu'Awa, l'ONU, semble chercher une façon de résister. L'ONU déjà basée dans Sony. Parce qu'ils n'ont plus une manière, ils n'ont pas une meilleure façon pour eux de justifier leur présence au Congo. Bah comprendre déjà que bah bévier les kebélé. Surtout mili mon mabéo est indi. Bah def na bango bah zala kintégré na ONU wa na bah kende kubo mabatu na kasindi kuna. Yango mutu ezali à la base le sousou ya colère. Eza na mupepo ya kabagareta kangote na lobaki yango. Si les esprits de ceux qui sont morts, des grands esprits qui sont morts nous entendent, ils ne sont plus contents de ce qui se passe au Congo. Il y a un moment où un vent agite et il n'y a personne pour stopper. Jusqu'à ce que gain de cause soit. Batubazu yango, bamoni gain de cause, wanande mupepe wanekati. Tant qu'il y aura encore présence de ces forces négatives sur notre sol, les esprits de tous ces révolutionnaires passant par Lumumba et les autres, oyo bakufa pona cause juste na mbokoyo milimo na bangwe kozala na kimiati. Voilà pourquoi ça s'agite partout, c'est l'état du Congo ndenge toza kolobaka ngwa. Mais quel est le calcul de l'ONU? Calcul ya ONU ezali calcul moko pe historique. J'ai pensé ici avant na continuer na ko aborder point haut. Avant na kota, qu'est-ce que le gouvernement va faire et comment il va orienter la sortie des missions et à Nations Unies, nalinga kina abordé point moko. Le Congo est devenu le test pour l'existence des Nations Unies à travers le monde. Ça, les observateurs oyo bazali prudent bazomonango. Le Congo reste le seul pays test dans le monde pour voir si les Nations Unies peuvent encore apporter quelque chose dans le monde. Et c'est ici que pour ceux qui gardent l'espoir, bato bazali l'espoir, bazali kota la ke. Si aujourd'hui les Nations Unies au Congo sort et que rien de positif n'est présenté à la face du monde, personne dans le monde ne pourra accepter encore une mission des Nations Unies sur son territoire. L'existence même des Nations Unies est remise en cause. Partout, on parle de l'injustice. Partout, on est en train de parler de cette organisation-là qui est devenue une organisation des puissants. Sur le Congo, il y a une pression. Il y a un sur place, adjoint, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Aza Awa. Mais président Azul Issoussou Malouba Asololi na téléphone na secrétaire général des Nations Unies yemoko. Les choses qui ont été dites là-bas, il y a ngonde mutuza à la base ya pour suite ya ba événement. Mais ici, les questions que nous devons nous poser biso ba congolais, parce que il y a des gens qui critiquent sans savoir l'orientation à travers la sagesse de likamba memelango. L'ONU veut quitter la RDC. Na lobagi on est mission elekaki. Pona bato bazana mayele ba mususu balandi ba mususu pe bolanda kite. Matériel pour la plupart au biso to sala kanango déplacement ya ba kits électoraux. Ezalaka matériel moko to luaka to zwaka
onindé muta peta kabisu. Pour la plupart, ba hélico na bango, ba jet na bango, soki ba petit porteur na bango, dans des endroits où les routes sont pratiquement impraticables, l'ONI fait des navettes pour na komemela kabisu biloko. C'est-à-dire, ce temps de transition, ce qui est le but, il faut voir que dans 2024, si on réduisait, tout le but que janvier 2023 ou bien avril 2023, le gouvernement de la RDC est obligé d'accélérer le processus de manière à ce que, un, biloko d'abord, les alliés qui sont là, qui sont dépendants dans le système, tout comme déjà indépendants, ils ont un matériel. Deux, les endroits qui occupent l'ONU doivent être des endroits où on va remplacer les militaires Nabissou. Trois, nos militaires doivent être mieux équipés et puis qu'on l'a dit là-bas, soit Nabango bien à travers le salaire Nabango. Bateau, bazan mission, bas militaire Oyo, bazali qu'on se déplacer, bazan à front, bazan à endroit où ils aillent à Bangote. Il faut bas prime Nabango et ça l'a bien assuré. De manière à ce que ONI a kendete et comme il faut RDC. Parce que nous avons beaucoup à tindre les messages. Balobi, FARDC, ONU, ONIZIEN, Balobi, FARDC, Ndemoutou, Basalaka, Baviol, Bangomoutou, Bapiaka, Bavillage, FARDC, Ndemoutou, Basalaka, Bilokouana. Je n'ai pas été d'accord parce que c'est vrai, le président de la République a dit tout haut les limites de nos forces armées. Batubele, Bamonagiangomabe, parce qu'avoir un président qui dit tout haut, c'est, ça blesse parce que nous avons été pendant 18 ans, surtout au Sangisina 32 ans à Mobutu, c'est 50. Nous avons été pendant 50 ans, un demi-siècle, sous Molili. On n'était pas habitué à Makambo avec toute franchise. Aujourd'hui, quand le président dit la vérité, ça blesse. Ça blesse pourquoi? Parce que les gens ne sont pas habitués à écouter la vérité. Les gens sont habitués à écouter les mensonges, des bouts de vérité, des vérités truquées où on associe mensonges et demi-vérités. Il y a un peu comme on l'a dit, mais ça n'a ce que vous écoutez, il y a un président qui a dit la vérité. Ils ont comme blessure, ils ont comme choquant pour les Congolais que nous sommes. C'est-à-dire, nos FARDC, le président l'avait dit, sont aussi pour quelque chose. Les défis ici, nous avons la pression pour la Makambo Itali, ONU. Babima, mission à Nations Unies, le défi c'est que ils doivent être remplacés par nos forces armées dans différents endroits au Bazali. Les Kambo, Bazaro, Loba, il y a EAC, ce qui est EAC. Bango, Bazo, quand ils vont nous piéger. C'est-à-dire, Bazo, Lukaga, la manière, Nini, Oyo, Bango, Bazo, continuer pour garder Bisson à Katia, chaîne na Bango. Pour la région, les forces de l'ONU, ce qui Congo a réussi à obtenir départ. Il y a mission, il y a Nations Unies, il faut que cela soit remplacé par la force régionale. Non! Qui a dit que les Congolais sont d'accord avec ça? Toboi Yango, ça, il faut le dire tout haut, non à la force régionale. Tant que Sabino Bo a dit dans l'armée, adhérer. Parce que plus nous avons des militaires, plus le gouvernement augmente les budgets militaires. Parce que, ils ont normalité. Ça fait partie des fonctions régaliennes, il y a l'État. Il y a quoi assurer sécurité, il y a population, il y a territoire national. Il y a des devoirs, il y a FARDC. Avant tout, il y a des statuts, des accords internationaux, ou bien des pactes internationaux, ou bien des quotas. Mais c'est au FARDC qu'incombe la responsabilité de protéger l'intégrité territoriale. Et le Koyo, nous avons un parlement ou pas. Parce que c'est dans des moments comme ça qu'on réfléchit. Parce que Tomoni Mboso, il a bien parlé. Hein? Tomoni Mboso a lobby bien, il faut tout soutenir, chef de l'État Nabiso. En tout cas, le président de l'Assemblée nationale, vous êtes clair dans votre discours. Mais ne soyez pas comme des bébés. Il n'y a pas que Mboso, le président et le Sénat, Bahati Lukwebu. Ne soyez pas comme des bébés qui cherchent toujours mille auprès à maman. C'est que Félix Tshisekedi attend de vous en tant que parlement. Ils allaient être la loyauté, nous disons loyauté. Non, loyauté, c'est par rapport à Ndenge, dans le parti politique, dans le constituer majorité, dans le président de la République. Mais le peuple congolais n'attend pas seulement la loyauté vis-à-vis du chef de l'État. Le peuple congolais n'attend pas seulement qu'il faut mobiliser la base pour soutenir Tshisekedi. Le peuple congolais attend que dans des situations pareilles,
un parlement responsable, Bakovanda, on ramasse toutes les idées possibles. Un, par rapport à l'ONU. Deux, par rapport au budget national alloué à notre armée, alloué à notre police nationale. Si on a un programme urgent basé sur les recommandations de notre Parlement pour nous relever, pour professionnaliser la police, le service de la sécurité, l'armée, pour équiper, pour former le bataillon, pour créer une particularité congolaise à travers notre armée. Ça sera une contribution majeure. Mais qu'est-ce qu'on voit nous dans la à la télé? Tout ça, au monde, on a dit qu'il y a un soutenir le chef de l'État dans Maloba. Ceux qui ont mobilisé, mais quand vous allez mobiliser, la révolter les gens, dites aux gens ce qui se passe réellement. Ici, je ne condamne pas Mbosso parce qu'il a été clair. Bahati Lukwebo a été clair, il l'a dit. Mais ce qu'on veut voir, c'est le, on veut voir, ce n'est pas le discours, le harangue, le binobo qui ne harangue foule. Le travail pour lequel vous êtes dans l'hémicycle du Parlement, Ezali, Moussala, il y a concevoir la loi. La loi où il faut s'adapter à la réalité des Congolais, na vécu des Congolais. Quelles sont les priorités des Congolais? Aujourd'hui, on parle armée. Basi Abasoda, Basota Labino, Nabana Abasoda. Les gens nous posent des questions de partout, par-ci, par-là, Basa Routou, dans le Parlement congolais. Est-ce que le Parlement congolais peut faire ça la déclaration de mon côté, Bouvandi, Boulandi, dans la même vision du gouvernement? Parce qu'ici, on voit qu'il est gouvernement. Mais au lieu de ça, la gaba discours à rang, faites ça dans votre hémicycle. Cette majorité-là, elle attend quoi? Pour na kobimisa action moko salvatrice pour l'armée na biso, ça va inciter de jeunes gens au bazar qu'on hésite parce que pendant 18 ans Joseph Kabila a découragé à bateau nyon sur bazar na vocation et à servir drapeau. C'est ça le travail que Joseph Kabila a fait pendant 18 ans. Pendant 18 ans, courbe y a volonté patriotique, y a patriotisme, éducation moko patriotique, c'est-à-dire nous avons enterré toute forme d'éducation patriotique. En 18 ans, le civisme a été banni de toutes nos institutions éducatives. Civisme et Zalakali Soussouti. Les Congolais ont fini par haïr leur propre pays. Les Congolais ont fini par considérer leur propre pays, le Kola, ils enferment ceux qui n'ont pas mis ailleurs dans nos hommes au peuple. Et effectivement, les Congolais émergent ailleurs que dans leur propre pays. Ça, c'est anormal. Et maintenant, dans cette bataille, Bino Bozana Katia Institution, tout vous attendez du président de la République. Il y a certains qui pensent président de la République, qui sont certains Bazana on a pas fantasme. Il y a Mobutu na tribune à Nations Unies. Félix Tshisekedi pas mata na tribune abanda ko lancer ba discours na Nations Unies. Mais soyons sérieux, nous sommes au 21e siècle, Mobutu ça koufa il y a une vingtaine d'années. Hein? Comprenons ici que lorsque nous parlons de la logique du contexte démocratique, il y a une procédure à suivre. Il y a une marche pour obtenir gain de cause. Et dans cette procédure-là démocratique, c'est le peuple qui a le premier mot. Les décideurs qui sont dans les institutions, le président de la République, sa diplomatie, trouve son efficacité dans la pression populaire. Bien au moins, on peut observer que pendant ce temps, les Congolais tout télémis debout. Les médias internationaux, ils en parlent moins. Bazako Zouaronga avec quelques bribes, mais comme si TV5 France 24 et il bakota la makamuna biso, ceux qui ba moni makambo kaka ou ils ont kende na profit na bango. Ah, ceux qui zali na katcha vision paternaliste, wana oyoki RFI France 24 TV5, bazako mimango na ndenge na bango. Mais lorsqu'il s'agit de la révolte des Congolais, on cherche un angle. C'est le gouvernement congolais. C'est le gouvernement congolais qui a incité les alliés manœuvres. Et ici, on lit les journalistes, il y a la chaîne aux les étrangères. Ils veulent faire croire ici que départ Oyo, Dengebazali ko Bengana. Je lis le journal d'Afrikarabia, ce qui est Afrikarabia. À l'obi, le départ aux les alliés fous, les alliés fausses raisons. Raison Bazali ko Bengana, la Mathias Gilman, les alliés, raison y a Makambu, y a propos à Tenakite. C'est-à-dire les autorités congolaises veulent trouver une raison pour mettre terme à la Nations Unies. Voilà, chers compatriotes, pour mettre fin à ces premiers points. Et là, on a vu que c'est important que la mobilisation populaire dépasse tout.
gardons toujours cette pression, gardons toujours cette même température, parce qu'il y a encore des brûlantes questions qui vont surgir. Ne pensons pas que ça va s'arrêter à la MONUSCO. Toutes les forces du mal qui occupent le Congo doivent quitter le Congo. Et ça, il nous faut vraiment notre énergie. Pour ceux qui prient, vous avez déjà des réponses, que c'est le moment du Congo. Dieu est avec nous. Combattez, Dieu ne va pas descendre. Il vous dit de combattre, soyez patriotes, mettez-vous maintenant au travail. Partout où nous sommes capables de faire entendre notre voix. Je l'ai dit ici récemment, mobilisation des Congolais ou Melagate. Et ça, quand on a tant mouqué, pas affaiblir les sous. Et s'affaiblir. C'est un problème sérieux. Oh, il faut tout à l'aka. Il faut tout me magale kamouti na souka. L'ennemi, basali multiple, basali ebele, la cause, c'est notre sous-sol, c'est nos richesses. Balingi Congote, balingi ba Congolete, balingi se amabele na biso. Éduquez vos enfants comme ça. Ba organisation ka nenge tozo lobila ao. Les HCR, au commissariat des réfugiés, Bavanda, parce que Babiloko, la structure, ils ont une structure, et comment ils ont enrichir Bato. Ce sont des structures, oui, comment toutes les structures des Nations Unies, comment ils ont une structure, pour enrichir un groupe d'individus. Bon, oui, ils ont une structure, ils ont une contribution. C'est une aventure. HCR à lobby, Azaline n'a bon côté pour n'a pas parlé, n'a pas besoin de déplacer interne à Congo, va réfugier au Nyonso, moyen yako kipe bango, isate. Pendant ce moment, les combats ont encore repris entre les FARDC n'a pas mouvement rebelle, batou bazali qu'on s'est déplacé. En Ukraine, c'est toute la communauté internationale qui s'est mobilisée, babilo ko bazoua kote ke la bango. Bozo lukasu explication ni. Nous sommes seuls au monde. Tozo lukalisu sous explication nini. Tout est clair là-dessus. Que le monde entier ne veut pas de nous. S'il faut décimer toute la population congolaise, bako sa lango. Pendant que nous cherchons à commémorer les génocides pour se souvenir de ceux qui sont décédés, sachons-les qu'ils sont bien préparés. Génocide n'a nécessité. Les autres commencent, continuent à mourir. Concentrons plutôt, parce que nous allons toujours se souvenir d'eux, nous souvenir d'eux. Mais attention, ne soyons pas distraits pour la récupération politique à Makambu. Soyons debout d'abord, concentrons-nous pour mettre fin à cette aventure. Ton maître n'a pas force du mal est hors état de nuire. Il y a une façon pour nous, à travers une culture d'éducation bien placée, politique moro et éducation à Malam, pour. Tout banda maintenant aux autres sa mémoire na kata mémoire collective tout ce qui s'est passé de manière à ce que bouzo ba oyo et la biso le soussouté. Les Rwanda. Rwanda a bandi ko peki ça parce que ba kon pe ko banga on peut peser les pour et les contre. Les Rwanda vient d'interdire à tout passager congolais de traverser même avec un sac. Nyon so fouille bon ba fouille za nango normal parce que biso na ba frontière na biso mususu. Ozo mona ba tu mususu bazo lala na bango. Là où vous avez la frontière, où vous avez la patriote, vous avez des militaires, vous avez des militaires, vous avez des DGM, présents, vous avez des DGM, vous avez des DGM, présents, vous avez des conditions, vous avez des gens qui sont là. Oui, nous avons des gens qui sont là. C'est vrai. Vous avez choisi de servir votre pays. Il n'y a pas que les salaires qui comptent. C'est aussi le patriotisme. Vous êtes dans des endroits où vous avez l'issue où il y a Congo, où il y a Congo. Mais quand vous faites passer des gens mal intentionnés, vous trahissez toute la nation. Le salaire, ça vient parce que déjà, le président a bonne volonté avec tout ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est déjà clairement qu'il est dans la bonne voie, tous ces services de l'État, et qu'on permette que, et qu'on a la debout, bah, tout le monde va finir par se retrouver. Les Rwandais, bah, ça, ont traversé. Baza ko permettre soutenir ba Congolais et les Kanamois bagages non mouke sans que vous foutez l'angle. C'est-à-dire, à chacun se mesure, tant que vous mesurez les autres comme ma pression, vous Congolais qui faites vos trafics dans Rwanda, vous devez aussi savoir vous préparer. En conséquence, le Rwanda c'est notre voisin, mais il faut toujours que vous banga ici côté dans Rwanda, tant que vous avez le bagage. Kagame, récemment à travers les médias, vous avez accusé que. Le président Félix Tshisekedi avec la fille au Batourna, film ya Soki,
hôtel au Rwanda, tout ça. Bazana kati ya ko fomenter bakuna ba lobby puissant contre le régime. Ça c'est déjà un aveu, il y a faim, il y a régime. Milelo wana bazako lela, ils sont prêts à tout. Nyoka tant bo betien zete mi balé mi sat bo moni azo ningana nanu. Ke bana maboko na opo ko risque soyo. La colère est très grande na kan ya Kagame. Asana kanda na yewana kake soki soki raté pe zo zonga ezwa kapena ba innocent. Nous devons savoir nous protéger nous congolais pour na ko éviter gouvernement zo monate, gouvernement zo salaboy. Et notre gouvernement parce que mikole wuti koleka awa il y a eu encore des échanges de tirs na frontière. Ça prouve déjà la suffisance climat où ils allaient régner entre les deux armées na ba frontière wana. Déjà le climat est tendu. Bango na ngamu na bango bazan état d'esprit na bango na ba orientation ba pesi bango biso na ngamu na biso na ba défi na biso na ba orientation on peut tous vu. Mais laissez aller za trop na ngamu na biso. Yo zana awa na Congo. Mes familles na yo za na Rwanda. Mais tu travailles à la frontière. Soyons quand même sérieux. Ya ngomoni biloko mususu baza ko loba non bat muto aza na frontière ozo travailler na DG mes familles na yo ozo travailler na DG ma Congo ta famille tu Rwanda. Nous avons fait passer le message. Voyez bien que tango climat za la tendu. Ba conséquence ces alaka. Il y a des gens qui sont victimes, il faut toujours être à l'abri. Na kanti biso tozo landango malam. Ba combat et reprendre ezo causé ba déplacer ebélé ndenge to landa ki ango lisusu le M23 ba lamu ki lisusu. Ça dit toutes les pressions qui ont été faites Kigali a fini par comprendre que ce qui a cédé à wele limbangu kolongwa na sol congolais vraiment c'est fini. Voilà toujours les déjà une étape moussous. Maintenant intention na bango ezali provocation parce que ce qu'ils sont en train de faire koto yo Monusco na tension toza ko mener contre Monusco koto bango pe balinga ki ba profiter parce qu'ils sont en train de profiter nos phares de ces moussous ba kende ko sécuriser ka ba base ya Monusco ba nani koto balanda bango pe ba komi ko luka ko profiter maintenant. Pendant qu'il y a tension wana entre Bissau et Monusco pour trouver des voies où il va continuer comme ça la progression là-bas. Vraiment c'est triste avec nos la facilité quitter votre milieu naturel place où yo vandi aux aïne loko kolia aux ana moi faire na yo pour se retrouver un endroit où zoé baté lipe ko wite la wapi. Surtout que plusieurs personnes na Congo ba vivaka na taux du jour. Maintenant, il se retrouve comme ça, dépaysé, à Zoé Baté. Comment il peut vivre? J'entre petit à petit, na fin, na zo koma déjà na souka, la mission na biso, na zo koma l'actualité, ya souka. Oui, il y a une parenthèse comme annoncé, na sommaire et actualité na biso. Ba image échographique, ou ya RTNC. Bayembi ango tina banzembo. Lorsqu'on sait que mbongo e bandaye ko bima na caisse ya l'état, qu'est-ce que les kabilistes peuvent nous dire? RTNC ezo kufa. Kabila bimisi mbongo. Ba sombi matériel ya sika ba sali télé 50, ba pesi Jean-Marie Kasamba. Tang bazo sala télé 50, 2010 télé 50 réseau za la créer. Dans le cinquantenaire, il y a indépendance. Matériel, pimpant neuf, RTNC, donc, au talibou, il y a une misère. Mais ma pêche, il y a un particulier. Il y a l'État congolais, il y a un contribuable congolais, il y a un salaire télé 50. Il fait rêver, batou, ba moussous, ba outi, les gens ont quitté, il y a une province, il y a un qui chasse comme il y a Paris. Pour enfin comprendre que Zagi Nango va montage au cas Mbando sala na TV. Mais là, ce n'est pas notre actualité. L'actualité, c'est que RTNC a un matériel. Na pesibino
vidéo wana bomona yango, comme ça on revient pour les analyses. J'ai dit à Kadi ce que tu m'avais demandé. Yango yo, on a quatre cœurs. Ils appellent la caméra pour la battre, hein, Katia. Dilou. RTNC Dilou avec Fachi. Dilou. Ah ouais. RTNC Dilou avec Fachi. Fachi Bé. RTNC. Quelle est la caméra, hein? Si, si, si. Pour la battre, hein, Katia. Clean, caméra, tout. Nous sommes. Nous sommes à Katia. Ça, c'est. Karam Soussou. Ah, bah, oui. Ou dans mon tina ou dans la remarçon, parce que ah, vraiment déjà souka dernier va au var taïango l'aigne va au moniango régie pour la var régie pour la var donc déjà au masolo var au comme on a on nini nini télé cachot boué et joli sous match à wa et sili et vous allez souhaiter au vos analogiques. Donc comment biso dans biso comme dans 4 cas. Ça la macambo ouais. Oh des jeux européens là. T'as les lignes là qui conforme à Lili. Mais il y a aussi un autre. Parce qu'il va bloquer donc pour les autres. Na kanti mino moko bo uti ko mona qualité ya matériel wana ya nouvelle génération. Ce ko ba œuvre za ko se multiplier. Bando ki pe bazo kanga ka muno kote. Parce que quand c'est bien, c'est bien. Ce ko menga question na mituna gya weza ki matériel ya sikaboy. Moderne. Donc comprenons que le président n'a souci na ye ya côté le misa ba structure union sur l'état li kambu ya media oyo ezali kamoko munene. La guerre aujourd'hui c'est une guerre basée sur l'information. Ce qui mitu ya ba congolais beleza ko pola bo excusez nga terme, c'est à cause de l'information. On a voulu que ça soit comme ça biso ba congolais na 21e siècle tous à la sous informé. Mais réforme au Tozolo, Patrick Mouyaya, changement de narratif, côté Wana Tondimi, qui est le matériel, Makambubu, ici président de la République, tout le monde est matériel, il y a si, Kapampa Nef, Nenge Bomoni Angouana, Nakata Bilili. Le matériel est là, on va donner à la RTNC. Mais on va donner à quel personnel, quand on sait que critère d'engagement à la RTNC, comme un critère moko familial. RTNC professionnalisme exacté à Tamouké. Parce que matériel a nezo kende, tout tout na banani ba kosale lango. Est-ce que RTNC azali déjà na politique moko bien défini à réforme? Parce que bozo ba redevance ezo zoama. Bon bon wana ezo za la gérer. Aujourd'hui to koti na contexte ya nouvelle technologie, to koti na guerre informationnelle. À l'ère de la mondialisation, si les pays ne contrôlent pas bien secteur et information, boye bango ki ata nyonso bino boko sala bozo tika la kasim. Bako ko kimisa bino mboka mobimba likolo information.
Mais au Congo, la RTN ne sait pas tout le monde qui attend un match. Ou bien, peut-être, je ne sais pas, ce qui est Mikolo, qui a ma nomination, et puis président de la République. Parce que Moutoua Pessi Penda aujourd'hui, crédit na RTN, c'est le président de la République. Félix Bazota, la ce caso Louba, le président de la République, s'il parle, vous trouvez même dans des bars, Batoubaché, RTN, c'est Bazolanda, Félix Tshisekedi. Mais il fallait que RTNC a profité de sa programme à RTNC. La vision d'État doit être représentée à la RTNC. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un plan? Il y a où l'État en a besoin à Zoua et pas Congolais. Même changement de mentalité, tout le monde a RTNC. Quand on veut parler, aborder une question politique, il s'est dit que non, le journaliste est RTNC, mais il faut voir l'analyste ou RTNC, il faut faire ses informations. Jusqu'à tel point que les Congolais ont beaucoup plus confiance. Ceux qui basent sur l'analyse à Maramoitali Mboka na Bango, ils doivent aller voir des chaînes Moussousou, toi, la chaîne Moussousou ou Ezali privé. Pas la chaîne nationale parce qu'elle ne sera pas à la hauteur. Matériel déjà bien très sophistiqué na Kanti. Vraiment, le président de la République a fait une bonne chose. Les gouvernements, ils ont l'eau au Mouroya Malamou. Mais image échographie longue. Mais qualité à message, qualité à programme. Président de la République, le tikali yangoana qualité. Parce qu'on filmer na bango n'importe quoi. L'eau tout ça au bête nango c'était qualité à message, qualité à programme. Chaîne nationale programme nango jusque là ils sont dans la confusion. Voilà ça. Critique ya mouke, to sengela ki to bakisaka penda, de kolo ya makama malamu eza ko sale mapo, eza la plus mieux. Là, on voit que la volonté du chef de l'État est que secteur nyonso eba na déjà côté lema. Mais nous aussi, Congolais, devons être responsables. Ba luka journaliste, bino mouke ko engage mouto yo, aza même na ba capacité oratoire te. Ba zo luka journaliste, bino bozui, ozi mwana na yo parce que tata na ya umela ki na RTNC bozi mwana boche alors qu'il n'a pas la compétence boche wana ba obaza compétent ba sali test bosuki si bango li banda système wana nde faut ko combattre pour que image ya RTNC ezonga ndenge zalaki. Nous avons vu des grands journalistes passer à cette chaîne là aujourd'hui. S'il faut que ce secteur là parce que to lobika ka changement de narratif, ah changement de narratif ezaka ate que tout monde a ba matériel asika tout monde a pe Makambuya Sika na RTNC, tout le monde peut nouvelle génération ya ba journaliste ya RTNC. On présente un journal de sport na RTNC au tel lobby mais RTNC koko ma jeune mon colonie. C'est grave. Soyez ba lobby ba rajeunir, au tel la qualité ba to ba on ba kocha, ils ont pe ça ka passe. Nous avons dit voilà to komi na souka mais avant pe na koma na souka na pe sur sous message. Na ba tina ngana loba na lobby na zo komi sa ma loba na bino. Ministre et agriculture, comment on peut éviter parce que yo au moins vous êtes invisible dans les médias, vous êtes monnaie na yoté, tu es vu vous êtes sa action belle. Na vous attend ton côté la action union son, mais message on a na écoloba, au bas tout bas au loba, exacte, bas tout est belle, bas zoya na ba projet na ba mona ministère et agriculture, bas zo zoa gain de cause. N'y a-t-il pas un moyen? N'existe-t-il pas un moyen? À travers les médias, comment les critères sont parce que au Congo aujourd'hui, ceux qui veulent dire message, ils ont un angle pédagogique, ils ont comprendre de A à Z comment ça se passe. Qui tape dans ma casse, bande de gobelets, ils ont qu'on se plaindre. La structure au bino pour payer ça, financement, il y a un bon l'État ou il à travers le ministère ouana, ils ont la structure nini. Pour la plupart, à la base, ces structures-là ne sont pas connues. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à financer aussi des structures. Oh, yo bazata na loko moko te bazana ngo sur le terrain, mais bon, ebimaka. Makambo to kanza so président de la République Félix Tshisekedi ayé, makambo ane ko sila. Alors qu'il y a des gens au bazali na ba secteur agricole, bazako ye batenze la nini bakokulekela. Soka ye na secrétariat général. Complications sur complications. Ce qui va bien dans le cabinet ministère de l'agriculture, à aucun instant gain de cause. Aujourd'hui, là, je suis en train de me faire un peu de temps à battre. J'ai 5 personnes qui sont en train de me faire un peu de temps. Je ne suis pas en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un ministère de l'agriculture. Je suis en train de me faire lorsqu'il s'agit de l'agriculture et l'élevage, on fait des exonérations. Ministère de l'agriculture, pour ne pas aller trop dans les détails,
communiquer positivement. Nga ina pesika ka message. Ba structure ezali ko zela mbongo ya développement à la base. Sont-elles des structures où ezali ba structure ezali ko exister ou bien ezali ko exister na kati ya ba sac ya bato. Nous avons dit voilà émission ekomi na suka. Et si vous allez au Landa qui à partir à Danemark, Tombola Bendele, Bandeko Australie, Bendele Tomboama, Binonion, Sobolanda qui à partir à Katanga, Grand Kasai, Grand Équateur, Congo Central, Bolandi Bissot na Grand Bandundu, vous allez kuna na cabine dans la Kati kuna na Kasai, vraiment Bolanda qui biso, vous allez pe na Lubefu, na Sankuru, vous allez qui na Est Mobimba, Goma, Bukavu, Goma, Maniema, vous allez na ba province Ebele, vous allez qui Sangani Boyoma. Vous êtes nombreux. Vous en avez quatre coins du Congo. Vous en avez quatre coins du monde. Vraiment, na pesimbela nanga kope sabino matondo mingi. To continuer kosa la patriote. Bisi kanyon sozali. Tombola bendela Congo à travers ba œuvre moko positive. Rentrez chez vous. Faites des œuvres positives. Changeons nos mentalités pour que mboka na biso e ba toujours kokende. Liboso biso nyonso. FARDC na motema. Merci mingi na papa Jean-Louis Timbalanga. Merci mingi na maman Lisette Mongbendou. Merci na ndeko chaque wazaki na sima caméra oyo. Merci na réseau Mobimba ya debout congolais bino batu bosimbi bendele pour émission ekendaka liboso. Continuez à le faire, je vous porte à cœur les na bosanité les maires adjoints en France Bernard Mpunga. Vraiment, je suis ensemble avec vous na nyonso boza ko sala. Tous les habitants sont ensemble. Tout le monde, dans la prochaine émission. Au revoir.